6h, 9h, Mont Blanc Morning sur Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc. Ce soir sur TF1, ce sera Koh-Lanta. Koh-Lanta, 12e saison, ils sont en Malaisie. Moi j'aime bien regarder Koh-Lanta, ça te détend ça. Il y a une époque que j'en regardais, là j'ai pas regardé cette année, mais je sais que tu regardes pour moi donc. Bah ouais, puis surtout moi quand je regarde, je me pose toujours des questions. Ouais. Je suis un mec comme ça, moi je me pose plein de questions. Par exemple, les candidats ont-ils du papier toilette? C'est vrai, est-ce qu'ils vont faire dans l'eau sinon? Bah oui, ou derrière les fougères, je ne sais pas. Ou alors, est-ce que les épreuves sont testées avant par des personnes, des sportifs ou des personnes de l'équipe? Est-ce que c'est testé avant que les candidats passent vraiment en action? Alors, est-ce que tu as les réponses? Eh bien, j'ai les réponses, car Denis Brognard, le présentateur, a répondu à toutes ces questions sur son Twitter. Donc voici quelques questions spéciales, Koh-Lanta, et surtout des réponses. À la question, est-ce que quelqu'un teste les épreuves imposées aux candidats? Réponse de Denis Brognard, oui, nous testons les épreuves plusieurs fois avant de les présenter aux candidats. Il avoue même que, attention, il teste lui-même certaines épreuves. Bah oui. Alors, les épreuves aquatiques, hein, il dit, hein, il aime bien... Il va se baigner, quoi. Ouais, c'est cool. Eh, franchement, il a la belle vie, Denis Brognard. Hein. Ouais, c'est vrai. Le mec, il est soit sur la plage ou soit... Dans l'hélico ou au resto. Attention, en ce qui concerne les vêtements, les candidats sont-ils très limités? Eh bien, oui. Ils ont un slip de rechange, excuse-moi. Bah écoute, ils ont le droit à un ou deux maillots de bain. C'est-à-dire que au début de l'épreuve, quand t'arrives à Koh-Lanta, t'as pas après intérêt de craquer ton slip, quoi. Ah. Sinon, tu l'as pendant tout. T'as le même slip tout Koh-Lanta, alors. Hein. Bah ou t'as le droit à deux slips. Deux slips, d'accord. Pas plus, hein. Tu fais ta petite lessive, alors. Bah oui. Sinon, à la question, les candidats ont-ils du papier toilette? Eh bien non. L'animateur a répondu non, non, alors, non. Comment ils font? Il n'y a pas de papier toilette à Koh-Lanta. Eh bien, les candidats s'essuient avec des feuilles ou du sable. Du sable. Tu te fais sabler. Ben oui. Mais tu sais que alors, le sable, hein. Et puis les feuilles, attends, t'as pas. Si, bah, imagine, tu chopes une poignée d'orties. Tu te plantes. Ouais. Au dernier. Ah, toi Patrick, t'as été aux toilettes, hein, ouais. Comme tu marches. 6h, 9h, Mont Blanc Morning, sur Radio Mont Blanc. Radio Mont Blanc.